watch our love grow. A piece of my soul that I can't let go forever. Cause you are my flesh, and I am your blood. Comme je l'ai dit, Votre Majesté, cette idée est très bonne. Merci. Merci beaucoup. Oh, ma princesse est de retour. Oh, ma princesse. Papa. Oh, bonne arrivée. Tu vivras longtemps. Bonne arrivée. Merci. La belle a Daisy. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Comment a été ton voyage? Ça s'est bien passé. Comment ton voyage était? Oh, mon voyage s'est bien passé. Mais des petits problèmes par-ci, par-là, mais ça va. Bien. Oh, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Je suis contente de te voir. Papa, je suis un peu fatiguée. Je dois retourner dans ma chambre pour avoir un repos nécessaire. Ma chérie, on parlera encore plus tard. Ok, hein? Ok, papa. D'accord. Ma femme, ma soeur, ma fille, tout ça en une. Aide-moi s'il te plaît. Quoi? Alors, tu as vu comment il a osé me regarder comme un fou? Qui? Tu n'as pas vu John? Ha. Tu vois comme tu ne sais pas exactement pourquoi il te regardait. Arrête de faire semblant. Moi. Fais semblant. John! John! John, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Oudjou, pourquoi est-ce que Neka me fait ça? En considérant le fait que je suis après elle,
Depuis des années même, quand on était à l'université. Ah, donc c'est à cause de Neka que tu ne réponds pas toujours quand je t'appelle. S'il te plaît, va lui demander. Tu connais sa maison, pas à moi. Elle est... Mon quoi? Ton ami. Oh, John. Est-ce que je ressemble à Neka à tes yeux? Tu ne connais plus Neka encore? Ah, s'il te plaît, j'ai vu ta mère au marché. Elle m'a donné ses feuilles pour toi, afin que tu les ajoutes dans la sauce pour la nourriture de l'après-midi. Comme elle ne rentrait pas vite. Si tu veux, tu peux préparer la nourriture pour manger. Si tu ne veux pas, tu peux t'asseoir ici à cause de Neka. Tiens. Au revoir. Donc ma chérie, je ne l'ai pas encore fait. Ce n'est pas comme si je ne voulais pas. C'est juste que j'étais occupée. On m'envoie toujours par-ci, par-là, de gauche à droite. Même hier que je pensais que j'allais le faire pour toi, la mère de John m'a vu au marché et m'a chargé d'une commission pour John. Hé, attends, parlons de John. Qu'est-ce que John vient faire dans cette conversation? Eh, juste parce qu'il ne me laisse pas respirer. On parlait de mes habits que tu devais aller prendre pour moi. Arrête s'il te plaît cette histoire de John. Désolé, c'est juste parce que quand je l'ai vu hier, il était misérable, très très misérable. Ce n'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à lui. Ça, ce n'est pas mon affaire. On parlait de... C'est d'un être humain qu'on est en train de parler, les sentiments de quelqu'un. Ce gars s'est intéressé à toi durant la période de l'université. Et il a fait comprendre à tous ceux qu'il connaît. Et il n'a jamais changé d'avis. Tu es mon ami, oh, et je sais qu'au fond de ton cœur, tu aimes le gars. Parce que je te connais bien. Arrête de faire semblant, tu l'aimes. Quoi? Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Oui ou non? Tu aimes John ou pas? S'il te plaît, mais... Ok, donc, quel est le problème? John est bien, il est intelligent, il est cool, il est responsable. Ce serait un bon compagnon. Donc, quel est le problème? Uju, c'est seulement parce que de nos jours, on doit faire très attention à ce garçon. On ne sait jamais. J'essaie seulement d'être prudente. Tu as raison, mais je pense que tu dois l'essayer seulement. Seulement, donne-lui une chance. Oui, peu importe. C'est à moi de prendre cette décision. Il s'agit de ma vie. Désolée. Il ne faut pas faire, je vais arrêter de te parler. Toujours John, John, John. Va vers lui. Tu es une fille. Nettoie bien ces maniocs. Tu as fini ça comme ça? Bien sûr, non. Rapide, on va faire tout aujourd'hui. Mon père va bien, votre majesté. Il est dans son royaume. Bien, bien, c'est bien. Papa, tu m'as fait appeler? Oui, ma chérie, s'il te plaît, assieds-toi. Oui, je voulais que tu viennes rencontrer ce jeune homme qui est assis auprès de toi. Il est Didé Bounon, le prince héritier du royaume d'Idemiri. Il est là pour te rencontrer. Je suis heureux de vous rencontrer. Enchanté. Mes chers, sois le bienvenu. Une affaire urgente. Je reviendrai tout à l'heure. Est-ce que tu réalises qu'on vient d'être manipulé? La sortie de mon père et tout ça. Oui, je sais. Je sais. Donc oui, à part tous tes titres, quel est ton vrai nom? Mon vrai nom? Je suis le prince Ikenga. Ok. Du royaume et de mon nom. Ok.
Neka. Neka. Attends. Je veux te parler. Alors, c'est à cause de ça que tu me suis partout. Je ne peux plus pas attendre. Je veux être auprès de toi. C'est de la folie. Non. L'intérêt. Donc c'est pour ça que tu me regardes toujours partout où tu me vois. Tu as le droit de ton opinion, mais je peux pas te nier. Parce que tu es Neka. Si je me fixe toujours sur toi, ce n'est pas indiqué la folie. Cela indique l'intérêt. Intéressé à qui? À toi. Neka, s'il te plaît, laisse-moi entrer dans ta vie. John, je ne peux pas. D'ailleurs, vous les garçons êtes les mêmes. On ne peut pas compter sur vous. Non, tous les hommes ne sont pas pareils. Tu me connais depuis mon enfance. Est-ce que tu m'as déjà vu avec une fille ou tu l'as déjà entendue? John, laisse-moi tranquille, laisse-moi, s'il te plaît. Neka. Oui. Comment tu trouves? Oh, bien. Tu n'as rien dit au sujet de ta famille, ton père, tes parents, tout le monde? Oui, ils vont bien. C'est vrai? Oui. Les vôtres sont très beaux et votre palais est très grand. Tu es sérieux? Mais ton père a un palais plus grand que ça. Oui, mais celui-ci est plus grand. Tu es sérieux? Je n'ai pas compris ce que mon père a fait. Il est venu faire la présentation rapide et il est sorti. Il a dit une affaire urgente. C'est ce qu'il a dit. C'est pas facile. Neka, John m'a dit qu'il t'a vu hier. Ce type-là, il me suit partout. Ha. Te suis partout? Oui, non. Partout où je vais, je vois John. Mon Dieu, c'est romantique. Ha. Tu peux voir. On parlait du diable, voici qui est là. John, bonjour. 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 Ce gars-là ne m'explique pas. Il est suspect. Pourquoi tu as dit ça? Il n'était pas comme ça avant. Tu ne l'as pas vu. Ma copine, pourquoi tu veux cacher ce découragement qu'on voit dans tes yeux? Parce qu'il n'a pas fait comme d'habitude. Moi, être dessus. Regarde, Neka, on est des amis depuis longtemps. Qu'est-ce que tu vas comprendre cela?
Arrête de faire semblant. Je ne vois rien de mal en toi en te rabaissant pour montrer ton intérêt. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Regarde-moi. Tu sais toutes ces choses qu'on a faites, tu sais. Hé, hey, Neka. Sois relax et vis pour une première fois. Hein? Ce n'est pas comme si tu es en train de te préparer pour entrer au couvent. Tu veux devenir une nonne? Tu veux devenir une sœur? Oui, je veux être une sœur. Ah! Tous les jours, John. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit, si tu le désires, va avec lui. Il ne me plaît pas. Tu ne veux pas. Il ne te plaît pas, il ne te plaît pas. Pourquoi tu me dis? Tu veux rester dans la maison de ton père. Toi, est-ce que tu n'es pas une fille? Ou est-ce que c'est ton frère? Il n'est pas mon frère. Mais elle est bien pour toi, non? Est-ce que je ne suis pas ton ami? Je veux avocate ce qui est mieux de pour Dieu. Toi. Ok. Tu veux le meilleur pour moi, non? Mais il n'est pas le meilleur pour toi. Tu ce as n'est vu, pas de tu as vu comment tu es. C'est laisse toi qui veux. Tu vas rester dans la maison de ton père. Je ne vais plus jamais parler de cette affaire avec toi encore. Ah! Oudjou! Oui? Est-ce que tu es venu voir Sœur Anne? Non. Elle vient de sortir. Non, je ne la cherche pas. Elle est déjà à la maison. Elle m'a envoyé d'apporter ces choses pour ta maman. Elle dit qu'elle a oublié de l'apporter elle-même quand elle était là. Oh! Maman est derrière la maison. Ok. John, qu'est-ce qui se passe entre toi et mon ami Neka? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant qu'elle commence à montrer son intérêt pour toi, tu fais comme si tu n'es plus intéressé? Je pense que chacun a sa limite. Je suis arrivé à ma limite. J'ai essayé. Je pense que c'était pas bon. Ah bon, ça fait pitié. Mais continue de faire des efforts. Elle peut changer d'avis. D'accord? Je vais voir maman. C'est pitié. Neka, devine quelque chose. Quoi, Thierry? Ah, je viens de te dire quelque chose. C'est amusant. C'est amusant? Oui. Ne, devine quelque chose. Devine maintenant. Quoi? Raconteuse d'histoire. Quoi? Ok, je vais t'aider. Sœur Anna part avec moi à Lagos. Elle dit qu'elle va me trouver une place à Johnson et Maja et Tess. Tu es sérieuse? Oui. Ah, tu m'amuses pas? Quelle chance pour toi. Je sais ce que tu ressens. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je lui ai parlé de toi. Elle dit que ce genre d'opportunité arrive périodiquement. Qu'elle se souviendra de toi. Et je vais toujours lui rappeler. Ok? Je vais partir demain matin. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Tu vas aussi. Beaucoup me manquer. Ne t'inquiète Bien. Pas. Tu vas ne me manquer. Ne t'inquiète pas. Tu vas me manquer. Mais tu iras bien. On va, on va certainement garder le contact. Dieu merci. J'ai John sois pour me tenir compagnie. Sois toi-même. Ok? Tu iras bien. Tu vas me manquer. Ne pleure pas. Tu sais, tu aimes pleurer. Oh, embrasse-moi. Hé, viens. Tu n'as pas encore payé, j'arrive. Non? J'arrive. Mon gars, je ne te comprends pas. Hein. Combien de bidons tu es en train de remplir là? Envoie ton argent maintenant. C'est rempli. Tiens. Pas de monnaie. 1 à 20 naira. Combien de bidons toi aussi tu as rempli? Donne ton argent maintenant. C'est combien? 10 naira, 10 naira. Pardon, donne-moi ma monnaie, je vais partir. Je ne peux pas attendre les autres. Prends ton argent maintenant. C'est combien pour les 3 petits bidons là? C'est 5 naira, je vais payer. Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? Jésus-Christ. Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Je suis en train de le désirer, sans en avoir honte. Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez vous?
Neka! Neka! John, qu'est-ce que tu viens faire ici? Te regarder. J'ai voulu le faire depuis que je t'ai vu au bord du puits. John. Neka. Neka. Mon intention pour toi est très honorable. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup de patience. Pendant toutes ces années. Mais j'ai noté ta réticence. Et je veux te proposer que on reste de bons amis. Hein? Merci, 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 merci. Ah, ok, c'est toi. My love is your love, and God made it so. So let's take control and watch our love grow. A piece of my soul that I can't let go forever. Okay. 'Cause you are my flesh and I am your blood, the bone of my bone that I can't let go. You're the one I adore now and forever. My, oh my, my, there is no more, 'cause you are the one, my, oh, there is no more, ooh, you are the one, my baby.
intéressant. Donc c'est comme ça. On fixe un rendez-vous et tu n'es pas à la maison. Maintenant, je viens ici sans rendez-vous. Te voici ici, à la maison. J'applaudis pour toi. Je suis occupée, très occupée. Quoi? Adézi, c'est tout ce que tu as dit? Non, ce n'est pas tout ce que je peux dire. Sors d'ici. Sors du palais de mon père maintenant. Tu es en train de parler à un prince. Quoi? Elle m'a manqué comme ça? Ikenga, je comprends ce que tu ressens. Laisse-moi gérer ça, s'il te plaît. Je n'arrive pas à comprendre, honnêtement. Et pour rendre les choses plus difficiles, elle ne veut même pas m'expliquer ce qu'est le problème. Ha. Je vais de me réveiller ce matin sur cette attitude insolente. Tu sais quoi? On va aller jusqu'au bout de ça. Je te le promets. Ok. J'ai rêvé à toi hier nuit. Moi? Pourquoi tu ris? Waouh, quel rêve tu as fait? Je ne peux pas le dire. Non, s'il te plaît, dis-moi. Bien. C'est étrange. Je me touchais de partout et tu émettais des gémissements. C'était merveilleux de le faire, mais... John, qu'est-ce que ça te fait penser? Bien. Je pense quand tu le fais avec quelqu'un que tu aimes... Bien, je... Quoi? Rien. Quoi? Rien. Ok. Tu veux parler de ça à l'intérieur? Il n'y a personne. Non, elles sont parties au marché. Avant ce soir. Ok, pas de problème. Allons-y déjà. Allons-y déjà. D'accord. Oui. Comment vas-tu, ma chère? Je vais bien, papa. Bien. Tu es belle malgré le changement de climat. Non, je vais bien. Tu es sûr? Oui, actuellement, je vais très bien. Ikenga, je ne l'ai pas vu ces derniers temps. Quelque chose ne va pas? Non, papa. Tout va bien. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Sûr. Allons, papa. Je veux dire, ce genre de choses se passe. Les gens ne doivent pas se voir tout le temps. Oui,
c'est juste que Iziwan voit ça différemment. N'écoute pas Iziwan, ok? Ne l'écoute pas. Il n'est ni Ikanga ou moi. Il est seulement en train d'imaginer, papa. Ok, d'accord, d'accord. Neka. Oui, John. Était-ce douloureux pour hier? Un peu. Ça sera bien plus tard. Je suis heureux qu'on l'ait fait. John. Oui, ma chérie. Tu as aimé ça? Oh. C'était comme si je n'étais pas je nous sentais comme hors de ce monde et parti au ciel. Maman, bon après-midi. Neka, d'où est-ce que tu viens? Ah, je suis allée voir mon ami. Un ami? Oui, maman. Neka, assieds-toi ici. Assieds-toi ici. Maman. J'ai dit, tu dois t'asseoir. Neka, qu'est-ce qui se passe entre toi et le fils de Okoye, John? Maman, il est juste mon ami. Juste un ami, ne t'inquiète pas. Il est ton ami? Hein? C'est ça, hein? Pourquoi vous deux avez décidé de vous mettre dans la bouche des gens? Pourquoi? Maman, on est juste des amis, c'est tout. Écoute-moi, faut pas que ton père entende cette bêtise. Faut pas qu'il soit au courant de ça, hein? Neka. Ok, maman, j'ai compris. Il ne se passe rien entre nous. Laisse-moi t'aider. Juste des amis. Je suis contente de t'aider. Maman, tu n'as pas eu des amis avant de croiser papa. Hey, Neka. Neka. Maman, tu es sûre que tu n'as pas eu des amis? Des amis dans ta jeunesse. Je leur ai dit que ce garçon à nous en haut est bien. Actuellement, je parie sur lui. Je parie sur lui. Kanou encore tout le temps. Hein? Toi et Kanou encore, hein? Oh, tu peux pas comprendre. Papa, maman, je vais voir un ami. Neka, assieds-toi. Neka, assieds-toi. Ton père dit que tu dois t'asseoir. Neka. Papa. Je ne suis pas à l'aise avec les histoires que j'entends à ton sujet. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ce garçon qui te suit partout dans ce village? Papa, c'est mon ami, non? Ami. Les mensonges sont les plus faciles en français. Mon ami. Ami, tu veux dire. Neka. Neka. Papa. Maman Neka, tu as vu ta fille? Neka, ta mère et moi ne pouvons pas mal te diriger. Tu dois arrêter de voir ce garçon, Neka. Tu dois arrêter de voir ce garçon. Neka, tais-toi et écoute ton père. Tais-toi et écoute-le. Chaque fois que je dis quelque chose, elle n'écoute pas. Et je pense que tu dois enseigner à cette fille à prendre le bon chemin. Non, je lui parle toujours. Je lui parle toujours, depuis tout le temps. Neka, Neka. Neka! Neka! On dirait que quelqu'un l'appelle. Ne t'inquiète pas. Laisse ça, laisse-moi régler ça. Assieds-toi, assieds-toi. J'arrive. Ok. Tu vois ce que je te dis toujours.
Neka, tu vois ce que je dis. Mais je fais quoi, maman? Je ne peux plus avoir des amis. Tu n'es pas la seule belle fille, oh. Tu n'es pas la seule belle fille, oh. C'est juste un ami. Fais attention à toi, oh. Tu as vu. Bonsoir, monsieur. Oui, bon après-midi. Comment ça va, mon fils? Merci, monsieur. Je pense que c'est toi, ma fille Neka, allait voir cet après-midi. N'est-ce pas? Allons, mon fils, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Oui, monsieur. Rappelle-moi ton nom. John. John, oui, et je pense que tu es ici pour la voir. Et si c'est possible, de sortir avec elle, sois le bienvenu. Laisse-moi l'appeler pour toi. Hein? J'arrive. Merci, monsieur. Oh, non. Hé, hey, maman. Hé, hey, maman. Hé, hey, non. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, mon père arrive, faut fuir, va-t'en. Reviens ici. Tu m'attrapes. Oh, Naï. Tu m'attrapes pourquoi? Hey, Naï. Laisse-moi le tuer. Laisse-le, pardon, laisse-le. Elle est toujours ta fille. Pardon, ne fais pas. Laisse-le. Pardon, c'est ta fille. Oh, pardon. Reviens, pardon. Il verra s'il revient ici. Il a de la chance. C'est notre fille, oh. Est-ce parce que je n'ai pas d'emploi qu'on me poursuit? Mais il n'a rien dit de la sorte. C'est la vérité. J'ai besoin de faire quelque chose. C'est le moment. Je dois parler à mon ami Jonathan. Il m'avait parlé au sujet de un poste vacant la dernière fois qu'on a parlé, dans des endroits où il a cherché. Je vais aller le retrouver. Je suis fatigué de la vie de ce village. Oui, je me rappelle, tu m'as parlé de ce Jonathan. Mais tu m'as dit qu'il ne peut pas te donner une habitation. Mais tu sais, dans ce genre de situation, tu vas rester en ville pour un ou deux jours. Comment tu vas faire? Ça ira bien. Je vais bien. Ça va. Je vais bien. Allô? Né, tu ne peux pas croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je me suis rendu dans l'un des endroits dont Jonathan m'a parlé. On m'a fait passer un test d'aptitude. Oui, je l'ai réussi. Oh mon Dieu, John, que Dieu exauce nos prières pour qu'il puisse t'employer. On nous a même dit d'attendre.
pour le résultat. Donc, je suis en train d'attendre. D'accord. J'attendrai ton appel, ok? Et je prierai pour toi. Et prends soin de toi. Au revoir. Mais au revoir. Dieu. Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît. Il faut aider Johnno. Il faut qu'on l'emploie. Il faut que je prie pour lui. Ma chérie, tu me plais très très bien. Tu me plais. Je suis déjà au courant de ça, Obiezi. Mais le sentiment n'est pas réciproque. Oh, ne t'inquiète pas. Les choses comme ça ne viennent pas en flash. Et d'ailleurs, l'amour met du temps pour grandir. Ok? Mais pour le moment, je vais t'envoyer dans le palais de mon père pour que tu vois ce que j'ai. C'est ce que tu fais derrière moi? C'est vraiment ce de quoi tu es capable? Oh! Et puis toi, le traître? N'ose pas l'insulter devant moi. Tu n'oses pas. Elle a de la valeur à mes yeux. Et tu dois être habitué à ça. Prends tes distances ou... Ou quoi? Ou quoi? Tu viens me traiter? Hein? Je ne suis pas surpris. Non. Tu sais pourquoi je ne suis pas surpris? C'est ce que ton père a fait et il a échoué. Si tu me regardes bien, tu verras que j'ai changé. Donc perdre mon temps avec un prince arrogant et lunatique comme toi, je pense que c'est comme je ne sais pas ce que je fais. Donc la meilleure des choses que tu dois faire, c'est prendre tes distances. Je t'avertis. Je t'avertis. Je t'avertis. Meka! Neka! Ça, c'est la voix de Dieu. Comment vas-tu? Je vais bien. Félicitations, mon cher. Ah, merci. Tu m'as manqué. Moi aussi. Pour moi, a été très dur. Comment se sont passées les choses? Est-ce que tout a été conclu? Ah, très bien. Il y a une petite procédure. Il y a un autre entretien que je dois faire. Mais je vois ça comme formalité. Parce qu'on a dit que les gens qui vont revenir doivent revenir avec leur bagage. Alors je pense que c'est toujours comme ça. Je serai bien. Je sais que tout va bien se passer. Alors, est-ce que je t'ai manqué? Oh chérie, tu m'as manqué. Tu m'as beaucoup manqué. Ah non, je suis seule à la maison. Ok. Donc,
Laisse-moi t'apporter quelque chose. Ma chère, es-tu concernée par la confrontation entre Prince Ikenga et Prince Obienze hier dans la chambre du trône? Non, papa, non. Tu vois, ces deux hommes sont seulement des gens non civilisés. Ils ne peuvent pas faire de rivalité sur une fille qu'ils ne possèdent même pas. Papa, je te blâme pour ça. Je te blâme totalement pour ça. Moi? Oui. Et comment? Oh, papa, tu fais ce genre d'arrangement tout le temps. Et ça va créer des problèmes si tu fais ça. D'accord, je vais arrêter. Bien. John, tu es triste. Mon amour. Oui, chérie. Je me demandais simplement comment allais-je me débrouiller sans toi? Et l'endroit est si loin. John, je ressens la même chose aussi. Mais je me console au moins par le fait qu'on parle au téléphone. John, ce que je peux faire pour toi. Tu sais que ce n'est pas facile de trouver du travail en ville. John. Oui, mon amour. Je serai toujours là pour toi. Je sais. Je compte sur toi. Je serai toujours à toi. Merci, John. Merci. Tu n'as pas entendu parler de nous? Où tu as mis l'argent? Je n'ai rien. Hé, hey, lève tes mains. Maudit là. Tu n'as pas entendu? Dans ton téléphone ici. Où tu as mis l'argent? Où tu as mis l'argent? Maudit là. Je peux récupérer mon sac. Donnez-moi mon sac. Les diplômes parlent d'eux-mêmes et je pense que c'est la raison pour laquelle nous t'avons choisi. Mais ce n'est pas tout. Tu vois, dans cette société, nous n'encourageons pas la paresse, même si tu es la personne la plus intelligente du monde. Exactement. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai compris, monsieur. Cette entreprise est la plus primée parmi toutes les sociétés d'architecture de cette ville. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé si loin en étant paresseux. Et on croit que tu ne le seras pas. Non, je ne suis pas paresseux, monsieur. Très courageux, monsieur.
Je veux croire qu'on t'a donné une copie des règles de la société. Oui, oui, monsieur. Je veux que tu étudies et tu comprennes une à une toutes les règles. Si tu échoues à une, tu échoues à toutes les autres. Exactement. Et autre chose, je voudrais que tu viennes avec nous. Ensemble, nous allons t'introduire devant le chef exécutif de cette compagnie le vendredi où nous aurons une réunion de travail. Je te veux bien habiller. Oui, monsieur, je le ferai. Ici, tu iras au département des ressources humaines. Ils te donneront un peu d'argent et te montreront les habitations. Oui, oui, monsieur. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Pas en ce moment. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Merci. Votre Majesté, je suis très honoré d'introduire ce jeune homme debout ici avant le début de notre réunion. Nous venons juste de le recruter en tant que nouvel employé de la compagnie. Oui, oui. Sois le bienvenu, jeune homme. Merci, Votre Majesté. Quel est ton nom? John Okoye. Oui, Monsieur Okoye. Sois le bienvenu. Merci, Votre Majesté. J'ai commencé cette société et avec mon fils présent ici, ma fille et ma défunte épouse. Nous sommes tous des architectes. Et ils ont été mes premiers employés. Je te dis ceci parce que je veux que tu saches que pour nous, l'architecture n'est pas seulement une profession, mais une passion et une manière de vivre. Tu comprends? Oui, Votre Majesté. Bien, je veux que tu y mettes du poids. Travaille dur, comme si cette société appartenait à toi et à ta famille. Et je te promets que tu seras bien payé. Oui, Votre Majesté. Merci, Votre Majesté. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu viennes me voir demain soir. Oui, et apporte avec toi ton projet. Et tu lui donnes ça. C'est bon? Oui, Votre Majesté. Merci, Votre Majesté. D'accord.